Acrofusie, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je sais. Mais je suis là un peu fatiguée aussi, une pile de choses à faire. Mais bon, n'empêche que on continue de manger, bien évidemment. Je vais essayer d'être assez rapide. Dans un petit restaurant situé à Courbevoie, saveur asiatique, particulièrement coréenne, voilà. S'appelle Sweet Tea House. Donc ils font des nouilles coréennes, ils font des bibimbap, ils font japchae, ils font pas mal de choses et très très bon fait maison, tout est fait maison. Ils font aussi des sandwichs vietnamiens top, et des formules aussi, voilà, c'est donné à tout le monde. Aujourd'hui en fait j'ai pris un plat de nouilles. Jangjangmyeon, voilà, avec une sauce noire en fait, c'est ça, mais je vais vous montrer ça plus tard. J'ai pris un bubble tea, topping, tapioca, des boules de tapioca à base de thé vert et puis de taro. Très bon, j'ai pas encore testé, je vais le faire tout à l'heure. Plus ce dessert-là, j'ai déjà commencé à manger au thé vert. Au thé vert avec la sauce chocolat. Voilà, franchement, le thé vert il est trop bon. C'est un thé japonais qui regorge beaucoup, beaucoup, beaucoup de nutriments et de bienfaits, qui est très bon en tant qu'antidépresseur. Il permet de garder la bonne humeur aussi Egg waffles. Yeah, okay. So donc c'était ça à vous montrer. Ce dessert là, très intéressant. 5,50, c'est pas lourd. Donc pour un encart de 4 heures, voilà, c'est facile à manger, à se faire plaisir surtout. Donc si vous voulez goûter vous aussi, n'hésitez pas, ça s'appelle Sweet Tea House, vous pouvez retrouver sur internet. Passez vos commandes sur Deliveroo ou Uber Eats, je sais pas, en tout cas allez-y sur leur site et vous serez livré. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vais juste terminer en fait ce magnifique mystère. Et puis, on se dit à très bientôt.